flèche dans le front. Parole de Cahuzac. Ou encore filmer ça. Ouais. Oh, les niaiseries pareilles. C'est le seul truc que je trouve de bien à la télé. Traiter l'escroc parce que je ne payais pas mes impôts, mais en ne payant pas mes impôts, j'étais un précurseur, j'étais un pionnier, j'étais un lanceur d'alerte, un altruiste, je le dis, oui, un humaniste. Ah, vous étiez un gilet jaune, on n'avait pas compris. Oui, tout à fait, un gilet jaune, vous savez, nous les artistes, les génies, nous ne sommes jamais reconnus véritablement de notre vivant. Le débat sur l'écologie provoque la colère de certains citoyens. Je me demande bien qui. Regardez. Je m'adresse à Emmanuel Macron. Tu dois avoir honte de ce que tu as annoncé hier. On veut du gasoil et toi tu proposes de fermer Fessenheim qu'en 2035. Eh bien moi, je vais y aller, je vais la fermer la centrale. Au nom de quoi m'empêcher de rentrer dans Fessenheim? Tu sais que pas le chercher. Déjà depuis plus de 15 jours, je suis capable de fermer Fessenheim, moi. Chez Chirico, c'est moi qui change toutes les ampoules. Alors ouvre cette porte. Laissez-moi rentrer dans Fessenheim ou je rentre en fusion. Macron a annoncé la fermeture de 15 réacteurs nucléaires et il a réaffirmé qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Votre avis, Madame Royale? Oui, oui, mais écoutez, mais voilà. Macron ferme les centrales nucléaires, comme ça il n'y aura plus d'électricité. Hein, des gens qui ne veulent plus d'essence non plus, et bien les gilets jaunes, pas de voiture à essence, pas de voiture électrique, mais vous savez quoi? Mettez-moi au vélo, hein, oui. Vous êtes déjà gilets jaunes, vous serez bientôt maillot jaune. Un mot de santé, notre ministre Agnès Buzyn a annoncé le remboursement par la Sécu des Moi, pensez que dimanche, c'est l'anniversaire à Jojo. C'est dimanche? Ouais, dimanche. C'est une excellente nouvelle. La question. Comment qu'elle aura? Ce remboursement est rétroactif. Moi, je suis 1938, elle est 1939. Ben, 79. Ah, moi, j'ai 80, elle va avoir 79. Hein. Au mois de décembre, tandis que moi j'ai eu 80 au mois d'avril. Benoît Hamon, les gilets jaunes protestent depuis 15 jours contre la politique d'Emmanuel Macron et pourtant on vous entend peu alors que j'imagine que vous avez un truc génial à dire, non? Les gilets jaunes protester à votre place. Bonjour et bon réveil, Bruno Le Maire. En cette période de contestation sociale, le gouvernement va-t-il, oui ou non, faire un geste pour les smicards? Écoutez, il y a un très bon rapport qui a été rédigé par Gilles Bercel et qui présente les deux options possibles. Je pense que retirer un des volets de cette indexation, notamment sur le salaire horaire brut des ouvriers et des employés, comme méthode d'indexation qui vient en plus. Ne vous inquiétez pas outre mesure, il est possible qu'ils se soient endormis, ça arrive souvent. Bien, voilà, c'était la sonate numéro 3, opus 58 en B mineur de Frédéric Chopin. Vous êtes toujours sur France Culture et notre premier invité aime la culture puisqu'il s'agit d'un Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors Nicolas Sarkozy, quel est votre morceau préféré de Chopin? Ah oh, ben il y en a plein, mais je dirais plus qu'un 4. Eh bien... Ok, il n'y connaît rien. Christian Estrosi est mon invité ce matin. Ma question est la suivante. Y a-t-il au sein des Républicains une guerre Ciotti contre Estrosi? Écoutez, je pense que c'est s'avancer beaucoup en la matière que de dire qu'il y a Écoutez, mais qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? J'ai du mal à suivre. Pipi. Ouf, il faut que j'aille. Eh bien, on reprend l'interview après... C'est caca ou quoi? Très déçu par les propositions d'Emmanuel Macron. Bonsoir Marine Le Pen. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, effectivement, vous l'avez dit, je suis extrêmement déçu. Mm-hmm. Je le dis, pardon, je vous présente Marine Le Pen, déçue par nos dirigeants politiques de père en fille depuis 1956. Je précise que je suis déçu par les dirigeants politiques, pas par la politique elle-même, car la politique nous fait vivre, voyez-vous, dans la famille depuis tant d'années. Non, pas nous en plaindre. Mais c'est vrai que vous n'avez jamais de pouvoir. Hein. Non, nous n'avons pas eu cette chance d'être, comment dirais-je, aux commandes de l'avion France.
avance. Nous sommes juste derrière, des passagers, et qui râlons, qui vociférons, tels des gilets jaunes, n'est-ce pas? Un petit différence près, c'est que nous, nous sommes payés pour râler depuis des années. C'est une différence tout à fait appréciable. Alors, on a entendu les propositions de Macron en matière d'écologie. On aimerait entendre les vôtres, Madame Le Pen. En matière de... Écologie. Ah oui, l'écologie. Vous voulez que je vous parle d'écologie? Oh oui, d'écologie. C'est le sujet, oui. Alors, l'écologie, vous foutu ça, bon, bref. L'écologie, tout d'abord, l'immigration. Non, pas l'immigration, Madame Le Pen, l'écologie. Oui. Mais attendez, j'y viens. Arrêtez. Je développe. Donc, l'écologie. L'écologie. Oui, alors, oui, voilà. L'Europe. L'Europe, c'est un sujet. Alors, les Français, alors, on sort contre l'Europe, comme nous. L'Europe, êtes-vous contre les énergies fossiles? Oula, mais vous n'énervez pas, moi, je ne sais pas si vos grands poneys, hein, franchement, j'y viens. Les fossiles, l'énergie fossile. Alors, les fossiles, je suis contre les fossiles tout court. J'aimerais m'adresser à papa, ce titre. Papounet, tu m'as fait de compter sur moi pour Noël, tu passeras les fêtes tout seul. Joyeux Noël, je schnock. Allez, salut à tous, et à demain, pour téléphone. Ouais, il était pas super, celui-là, mais il était pas mal. Et oui, en direct.